Et donc salut à tous les amis, ici Mr. B alias PMJCD, j'espère que vous allez bien, personnellement moi ça va super. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, plutôt une toute nouvelle série qui s'appelle Secret Weapon. Donc on va aller sur différents jeux de ce que... Bon, le premier épisode ça sera sur Dying Light. Vous trouvez des armes secrètes dites légendaires. Donc le nom de cet épisode sera Excalibur, parce que tout simplement on va aller chercher la légendaire épée Excalibur, l'épée la plus puissante que vous pouvez trouver au début du jeu. Donc pour ce faire je vais vous montrer où va falloir que vous vous rendiez. Donc il faut être sur la map Bidonville, et elle se trouve ici. Hein. Regardez, voilà, vous pouvez reconnaître, il y a zone de nourrissage, il y a une zone de nourrissage, et il y a un petit creux ici, hein, c'est ce qui m'a permis de reconnaître l'endroit. Et donc ça se trouve sur ce rocher. Voilà, donc on va tout de suite s'y rendre, hein, en compagnie de mon coach Jigsa. Oui, bonjour, hein, peut-être, enfin, il serait peut-être temps. J'étais un peu oublié. Le mec, il parle. Et vous allez voir une fois sur place que c'est pas si facile de l'obtenir. Voilà. Donc, il faut juste connaître la technique. Si vous la trouvez de vous-même, vous allez vous rendre compte que... Ah bah, moi, je voudrais essayer de la trouver. Parce que moi je connais pas, en fait, j'ai pas vu rien. Ah oui, tu t'as pas trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Oui, non, c'est toi qui as trouvé. Monsieur BMJCD qui m'a dit: oh, j'ai une arme légendaire. Oui, tout à fait, oui. Ouh, j'ai une arme légendaire, on y va. Et donc voilà, donc on vient de tout simplement d'arriver à l'endroit. Donc là on voit l'épée. Mais c'est trop sympathique. On voit l'épée plantée dans le corps de cet homme. Alors attends, va falloir mettre le cadavre à l'eau. Pas du tout. Faut enlever l'épée, non? Juste l'enlever. Oui, bah vas-y, essaye de maintenir. Ça marche pas. Alors, ah voilà. Ouais, d'accord. Alors vous attends, pas galérer, je sais. C'est tout simple, il vous suffit de maintenir pendant 2 minutes. Donc là, re-accélérer. Donc... Il va falloir maintenir pendant 2 minutes afin de sortir cette épée du corps de cet homme. Donc on va refaire avec ça. Voilà. Et après, va falloir cramer le corps afin d'obtenir le plan. D'accord, c'est magnifique. Moi, j'ai dit exactement le contraire, j'ai dit avant, il va falloir le zigouiller et l'envoyer à l'eau. Putain, elle est belle. Non, mais je suis pas sortir, putain. Oui, tu m'aurais demandé de le faire, j'aurais fait. Tu aurais dû me demander. Tu sais qu'on a fait 20 km de flotte alors qu'on aurait pu faire même pas de mètres. Oh putain, c'est magnifique. Ouais, ouais, très sympathique. Bon, je pense à enlever le zone maintenant. Tiens, tu vois, je vais le faire. Hein, mais... Très chiant. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai le temps d'en fixer? Ma peine. Pour les envoyer brûler. Essayez, ils vont chaler. Ma peine dans ton crâne. Donc, rebonjour, bande de gens, bande de petits gens gentils. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc cet Excalibur m'appartient tout à fait, cet Excalibur m'appartient. Voilà, donc là j'ai récupéré Excalibur, donc là vous pouvez tout simplement la ramasser. Ah ouais. Mon inventaire est plein, tu l'as... T'es oui, vraiment un bâtard. Non, je me suis dit, ok, arme, boum, je prends. Attention, je vais la démonter, tu vois. Wouah, putain. Elle rentre même pas dans mon écran, elle doit être énorme de ta vue. Oui, je veux bien que tu me la rendes par contre. Rien, elle doit être énorme. Je veux bien que tu me la rendes pour montrer aux gens. Oui, bien entendu. Alors après, le cadavre, vous pouvez soit le cramer vous-même, soit le cramer de cette façon-là, pour ensuite obtenir le plan de Excalibur. Donc on va se reculer et attendre un petit peu. Et donc s'il te plaît, me donner l'épée, parce que c'est toi qui l'as trouvée.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est et ton. Donc voilà, là vous avez le plan d'Excalibur. Déposer. Il vous suffit voilà. De la ramasser. Et là j'ai appris à fabriquer Excalibur. Avec le petit logo, c'est très sympathique, il y a un petit logo dessus. Regarde que Jigsaw, ici il y a un plan que tu peux ramasser. Ah oui, je le prends. Hop. Voilà, et ça te permet de fabriquer Excalibur. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. La... Attendez. Si vous aura plu. C'est chelou quand même comment ils ont écrit le machin. Ils ont écrit Excalibur. C'est très bizarre comment c'est écrit. Le mec il s'est dit bon ça rentre pas en entier, tant pis je vais écrire ça à l'arrache. Il a c'est non, très mais c'est surtout que doit y avoir des droits d'auteur pour ouais, Excalibur. Oui. Ah ouais, bah ouais, peut-être, ouais. Ça doit y avoir de ça aussi. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi sur quel jeu vous voulez qu'on fasse le prochain Secret Weapon. Sur ce, merci d'avoir regardé. Dites-le-moi si cette vidéo vous a plu, si le concept vous plaît. On cherchera d'autres secrets en Secret Weapon. C'est pas basé que sur les armes, il y a aussi d'autres systèmes. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis, bah, à la prochaine sur une phrase de fin de mon Codex. Défoncer, désinfecter avec Excalibur, voilà, c'est Excalibur. Mappel, tout ça pour défoncer ce putain d'infecté. Mappel. Mon délire de pelle. Sur ce, je vous dis à la prochaine et puis ciao. Ciao.